Comme il le mérite. Et c'est vrai que depuis lundi, on a eu beaucoup de plaisir à remonter le temps, puis à vivre aussi des beaux moments d'émotion. Alors, on est en 2004, c'est une date anniversaire importante pour vous. Vous allez fêter vos 70 ans, d'ailleurs, dignement, puisqu'il y aura un grand concert à la fois au Caire et à côté de la bibliothèque d'Alexandrie. Est-ce que, pour vous, votre âge, visiblement, vous vivez très sereinement avec lui, non ? Je suis programmé pour vivre jusqu'à 120 ans, alors je suis... Encore quelques années de musique et de chansons. Alors justement, puisque vous aimez à la fois les femmes et la musique, on va, j'espère, vous faire très plaisir en invitant notre deuxième invitée. C'est elle qui va prendre un petit peu la suite de ce fabuleux destin. Elle sera avec nous jusqu'à vendredi. Il s'agit d'une personne qui connaît bien la chanson et qui surtout en ce moment fait un véritable retour gagnant, Julie Pietri.
au son de Ève, lève-toi. C'est vrai qu'il s'est vendu à des milliers d'exemplaires et c'est vrai que c'est votre chanson en quelque sorte. Vous avez sorti d'ailleurs un disque, une compile où on retrouve toutes ces chansons, Magdalena, etc. Mais il y a aussi un nouveau titre, hein, on va en reparler d'ici vendredi. Il n'y a pas seulement les anciennes chansons. Ça vous embête quand on vous reparle toujours de... Jamais, au contraire. Hein, c'est une reconnaissance. Je ne sais pas si vous vous connaissez tous les deux. Vous vous connaissez? Vous êtes déjà croisés? Moi, j'ai un souvenir avec vous. Ah, alors... visiblement, il a oublié. Il a oublié, visiblement. J'ai un souvenir de vous très touchant. J'avais participé à une très, très belle émission au Théâtre du Châtelet qui retraçait, je pense que c'était à l'occasion des 25 ans de la mort d'Edith Piaf. Et j'avais chanté, interprété Milord avec un grand orchestre. Et vous m'aviez dit, ah, enfin quelqu'un qui ne massacre pas Edith. Ah, joli compliment. Vous en souveniez, Georges Moustaki? Je m'en souviens. C'est vrai que tous les gens qui touchent le répertoire d'Edith Piaf... Ça arrive que les gens massacrent les chansons de Piaf quand même. En tout cas, généralement, ils ne font pas le point. Alors, on va continuer, honneur aux femmes encore, dans cette émission aujourd'hui, surtout pour vous faire plaisir. Cette émission est placée sous le signe de la féminité. Et c'est... D'ailleurs, ce sont souvent, j'ai remarqué, les femmes qui parlent très très bien de vous. Et bien justement, ce soir, je vais donner la parole à une femme qui est l'une de vos très très chères amies. Et vous allez voir, écoutez-la, je crois qu'elle a vraiment choisi les mots qu'il faut pour parler de vous, Georges Moustaki. Regardez. Mon cher Georges, ta grande chance, ce n'est pas d'être né dans le pays de Oum Kalsoum. Ce n'est pas d'être citoyen d'une ville, Alexandrie, célébrée quatre fois par Laurence Durel. Ce n'est pas qu'à ton arrivée, tu aies rencontré à Paris Cocteau, Léoto, Edith Piaf, qui t'a aussitôt invité à venir la voir et qui, charmée par ton mutisme, non dénué de dédain, t'a aimé et offert de lui écrire une chanson. Ta grande chance, c'est, de ton propre aveu, toi qui me l'as dit d'un ton très sérieux, ta grande chance, c'est d'avoir eu les yeux bleus. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Je suis la longue dame brune et je t'entends, chante encore au clair de la lune. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, et tu seras prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de ce beau jour toute une éternité, Georges. Merci à Sapho, qui est venu rendre hommage à son ami Georges Moustaki. Merci beaucoup, Sapho. Venez vous asseoir avec nous. Vous connaissez Julie, sans doute. Bonjour Sapho. Merci d'avoir jonglé comme ça avec à la fois les notes et les mots pour rendre hommage, c'est vrai, à Georges Moustaki qui aime, c'est vrai, à la fois la poésie. Pour vous, c'est vrai, Georges Moustaki, s'il fallait le résumer, ça serait un poète. On peut lire ses chansons, j'ai l'impression, sans même musique, sans la musique. C'est un chanteur et il le réclame d'ailleurs. Hein, tu me l'as dit, tu m'as dit que tu écris des chansons parce que les chansons sont des textes qu'on ne peut pas lire sans les chanter. Et des choses qui restent. Hein. Georges, avec Sapho, c'est vrai que j'avais envie de reparler, c'est vrai, de Nessim et Sarah, votre père et votre mère. Le fait que vos parents soient libraires, est-ce que ça a joué, c'est vrai, ça a eu une influence ou... Ça m'a ouvert à la langue française, dont un ami disait que j'étais le citoyen. Il me dit, tu n'as pas de pays, mais tu es le citoyen de la langue française. C'est vrai, c'est une jolie définition, ça. Je crois que c'est aussi dans une librairie, que vous avez croisé un peu par hasard Georges Brassens et puis timidement vous l'avez montré vos textes. Dans une autre librairie, oui. Mais les librairies sont des endroits très bien fréquentés et on y rencontre du beau monde. Tu as rencontré un prince, non, c'est ça, dans ta librairie? J'ai rencontré un roi. Un roi? Le roi d'Irak dans les années 40 s'appelait Faisal. Il avait mon âge, on avait tous les deux 13 ans. Et j'ai conseillé ce petit garçon. Et puis je me suis aperçu que quand il a fait son choix, il y a des missions en uniforme qui sont venues le chercher. J'étais très, très impressionné et très, très inquiet. Même il me dit, ne t'inquiète pas, c'est sa garde, c'est le roi d'Irak. Et il est mort assassiné. Ah bon? Comme quoi, j'étais mieux fils de libraire que roi d'Irak. Alors Sapho, en revanche, vous n'êtes pas croisé dans une librairie. Je crois que vous êtes rencontré dans un festival, le festival de Montauban. Quelle avait été votre première impression? D'abord, Georges, il est un peu pète sec quand même. Il n'aime pas. Il est un peu exigeant. Il n'aime pas qu'on chante n'importe quoi. Quand je lui ai demandé, tu veux pas chanter la longue dame brune, il m'a dit, ah non, ah non.
Il refusait de chanter, c'est vrai, cette chanson de Barbara. Et je pense que c'était de la loyauté, de la fidélité vis-à-vis de Barbara, et ça m'a émue, ça m'a touchée. Donc voilà, il est quand même. Est-ce que vous l'avez trouvé même un peu macho? Parce qu'on a dit qu'il aimait les femmes. C'est un gros macho. Est-ce que ça va jusque-là? C'est un gros macho. Mais macho, ça peut être un compliment aussi. Absolument. Voilà. Il aime les femmes. Il aime les femmes, il les drague, il aime les femmes. Il vous a dragué. Il aime beaucoup les séduire. Ah ben il aime bien les séduire. Est-ce que entre la poésie, le goût des femmes, est-ce qu'on pourrait ajouter une troisième chose? Pour vous, j'ai l'impression que quand on dit moustaki, tout de suite, il y a le mot fête qui intervient. Ah oui, non mais... Fête orientale, il faudrait ajouter. C'est vrai qu'il y a ce sens merveilleux de la fête, cette espèce de spontanéité à être de générosité de chanteur, parce qu'il y a des chanteurs qui n'aiment pas chanter, hein, j'en connais. Mm-hmm. Mais Georges peut, dans une fête, très généreusement, prendre une guitare et nous faire passer un moment délicieux. C'est un acte très généreux. Voilà. Alors c'est vrai que c'est souvent, effectivement, hein, ce sont les images qui reviennent en tête hein, quand on vous imagine, effectivement, avec des amis, c'est la fête, la guitare. Alors il y a une phrase aussi, que, quand vous parlez de la vie, vous dites « j'en ai bien profité, j'ai largement rempli, même fait déborder mon tonneau de vie. Chaque jour, quand je me lève, j'essaye de répondre à mes envies. » On a parlé aussi un petit peu au début de la semaine de votre philosophie de vie. Est-ce que ça aussi, vous êtes très épicurien, finalement, on le sent? Il y a eu beaucoup d'excès, peut-être pas tous encore, je disais, j'ai encore 50 ans pour les assouvir. Et aussi, je pense qu'il se croit absolument immortel, à mon avis, ça c'est sûr. Mais il est immortel, grâce, grâce aux chansons. Non, je vous rassure, la programmation de vivre 120 ans, ça ne vient pas de moi. C'est d'un jeune homme asiatique qui a beaucoup de plaisir en ma compagnie, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il me dit, mais si tu continues à vivre comme ça, tu vas vivre 120 ans. Et j'accepte sa prédiction. On acquiesce, bien sûr. Vous êtes d'accord, Julie? Moi, je suis absolument d'accord. C'est d'autant plus que, excusez-moi, mais plus vous vieillissez, entre guillemets, plus je vous trouve beau. Donc. Oh, yeah, yeah. Ah ben voilà, c'est le cri du cœur. Le cri du cœur. Ah, Julie. À mon avis, c'est Julie, le sentiment de beaucoup de femmes. Julie, ne reporte pas. Alors Sappho, vous allez bien sûr être présente au moment du Printemps des Poètes, donc très bientôt, je crois que ce sera le mois prochain. Et puis on va vous voir aussi, puisqu'on a parlé de l'Orient, au Festival de Fès. On vous verra aussi à Vienne, ça c'est dans un autre Orient, on va dire. Ça, ce sera au mois de juin. Et puis il y a un livre qui sort, un livre de poésie, aux éditions de La Différence, c'est le livre des 14 semaines. Et puisqu'on parle de poésie, je voulais savoir si vous aviez eu le temps d'écouter le dernier album de Moustaki, qui s'appelle tout simplement Moustaki. Non, et je me réjouis d'avoir à le faire, parce que je sais que ça sera un plaisir. Alors, on va maintenant écouter un autre poète dans son genre. Il cartonne en ce moment au théâtre. Il a un petit message pour vous. Il va vous rappeler quelques souvenirs. Je crois que vous avez le même âge. Vous êtes né la même année. Pierre Richard. Ah. Salut, Jean. Je ne peux pas être avec toi ce soir parce que je joue au Petit Théâtre de Paris, mais je voulais quand même te saluer, te rappeler aussi un souvenir qui m'amuse bien. Je me souviens qu'à l'époque, on faisait une tournée au théâtre. Tu nous accompagnais à l'orgue dans cette tournée. Et puis, le soir, tu nous gratifiais de tes nouvelles chansons, celles que tu venais d'écrire, pour lesquelles tu avais beaucoup d'espoir. On les écoutait avec attendrissement et d'autant plus attendri qu'on les trouvait très belles, mais qu'on les trouvait tellement en dehors du temps. C'était l'époque yéyé, les nouveaux départs, Claude François, Johnny Hallyday. On s'est dit, le pauvre, il se plante. Ça va être, c'est beau, mais ça marchera jamais, et si même il fait un disque. On était consternés. Et puis, quand on est rentré de la tournée, ton disque, il a paru. Et puis, il a fait un malheur. Et on avait un petit peu honte de notre jugement. On s'est dit, oula, tant mieux pour lui, mais qu'est-ce qu'on s'est planté. Alors voilà, je voulais te rappeler ça. Tu es parti là-dessus jusqu'à aujourd'hui, pour une très belle carrière. Jusqu'à aujourd'hui et même demain, parce que je voulais te dire que, une dernière chose, je souhaite qu'à ton âge, j'ai encore ta verdeur, ta créativité, ta joie de vivre. Ciao. Qui remporte un vrai succès en ce moment au Petit Théâtre de Paris dans Détournement Mémoire et vient de publier d'ailleurs un livre qui porte le même titre et qui est vraiment extra. Mais... c'est vrai qu'il rappelle quelque chose d'important, c'est que vous avez émergé dans les années 60. Comment vous avez réussi à avoir du succès et surtout à perdurer avec ces différentes modes? Enfin, dans cette époque-là, celui qui a ouvert les portes, c'était Reggiani. Et à sa suite, j'ai chanté, puis après moi, il y a eu Le Forestier, puis après, il y a eu d'autres, comme ça. Il m'a toujours fait croire, à l'époque de cette image-là, quand on faisait la tournée de théâtre, que j'étais beaucoup plus vieux que lui. Puis un jour, on s'est aperçu qu'il y avait 3 mois d'écart. Ouais, voilà, c'est pour ça que je l'ai dit. En fait, vous avez le même âge. Hein. Désolé, Pierre-Richard, vous n'êtes pas plus jeune que Jean-Louis Stéphia.
Ça faut, je voudrais vous remercier infiniment. Vous serez bientôt sur les routes de France, ben, un peu comme Georges Moustaki. Peut-être que vous allez vous croiser, puisqu'il y a donc concert ce soir. On va vous laisser d'ailleurs tout à l'heure aller vite au petit journal Montparnasse. Deux dates importantes. Restez encore un petit peu avec nous. Et puis donc un peu partout en France, des concerts pour Georges Moustaki et pour Safo. Merci infiniment. On va s'intéresser dans un petit instant à Julie Pietri. À tout de suite. Lui aussi par la musique. Vous êtes oui, forcément très différent. Très différent, mais c'est ce qui fait l'intérêt de cette émission, c'est les contrastes, hein, c'est le choc parfois justement des mondes et des cultures. Et en ce qui vous concerne, ben, la culture n'est pas très éloignée finalement de celle de Georges Moustaki, puisque vous êtes baigné aussi par la Méditerranée. Mais cette enfance quand même est quand même marquée par la douleur, puisque vous avez des réminiscences, des souvenirs de la guerre d'Algérie, des souvenirs assez sanglants, paraît-il. Et puis par la maladie, une enfance qui malheureusement va être gâchée par une pneumonie qui visiblement va perturber quand même quelques années de votre vie. Et puis ensuite, donc, vous êtes baladé entre Alger, Casablanca, la banlieue parisienne. Et puis surtout, quand même, il faut dire que vous allez en cachette vous intéresser de très près à la musique et faire une première expérience musicale en cachette de votre papa. Mais votre papa n'est pas du tout rancunier, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui a choisi de nous raconter votre fabuleux destin. On l'écoute, il s'appelle Xavier et il nous raconte donc l'histoire de cette petite Julie. Julie, égérie des années 80 au regard azur, tu marques l'histoire de la chanson française avec notamment ce tube. Petite fille du soleil, tu fais tes premiers pas dans une Algérie mouvementée qui te blessera à vie. Timide et malgré une santé fragile, à 3 ans, tu chantes pour les militaires. Après un passage au Maroc, notre famille pose ses valises en France. Coûte que coûte, je voulais que ton frère et toi réussissiez dans la vie. J'avoue que pendant ces années, j'ai été parfois trop sévère, mais heureusement, maman joue le rôle de consolatrice. Tu réussis brillamment tes études d'orthophonie tout en prenant grand soin de nous cacher les cours de chant que tu prends en parallèle. Regardez les fonds bleus. Alors, quelle surprise lorsqu'un soir, devant notre télévision, nous t'avons vu en gitane envoûtante dans la bande à Basile. Je vais lire dans ta main tes joies, tes chagrins, tes amours. Il était difficile d'accepter que notre fille ait acquis son autonomie. Mais il fallait nous rendre à l'évidence que pour toi la chanson était plus qu'une passion. Tu es indomptable, Julie, et qui aurait pu t'empêcher de réaliser tes rêves? Tu quittes la bande à Basile, tu es emporté par un succès foudroyant. Tu enchaînes les tubes. Maria Magdalena marque le début de ta carrière solo. Pour la première fois en 1986, tu signes Pietri. Quelle fierté pour nous, tes parents. Tu es épanoui. Et puis, la consécration arrive en 1987 sur la scène de l'Olympia. Mais contre toute attente, tu décides d'arrêter ta carrière pour te consacrer à ta vie de femme. La naissance de ton enfant Manon est alors le début de ta nouvelle vie. Elle est l'événement que tu attendais, elle qui aujourd'hui te fait tant vibrer. Mais tu vois, le public ne t'a pas oublié. Il te l'a prouvé en 2003 lorsqu'il te plébiscite pour que tu reviennes chanter à nouveau rien que pour lui. Julie Pietri a réussi son retour gagnant. Je te remercie. Tous ceux qui ont appelé, je suis très émue. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné. Et je vis pour le meilleur pour vous. Oui, Julie, aujourd'hui tu vis le meilleur pour nous. Tu es une femme sereine, tu allies parfaitement ta vie de mère et ta carrière. Et quelles que soient les critiques, elles te donnent toujours plus de force. Tu es une femme de caractère et ça,
personne ne pourra jamais te l'enlever. Alors, Julie, continue. D'ailleurs, qui pourrait t'en empêcher ? C'est vrai, ça. J'ai l'impression que vous n'en faites qu'à votre tête. Je suis un petit peu rebelle, bien que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir un aspect assez lisse, mais en réalité, c'est pour mieux cacher une âme assez rebelle. Je pense que papa a très bien dit les choses, ce qui m'émeut, pardonnez-moi, beaucoup, parce que... On le comprend, quand un père s'adresse à sa fille, c'est toujours émouvant. Il ne l'a jamais fait en réalité. Oui, donc c'est une déclaration d'autant plus importante ce soir. Ce qui est émouvant aussi, je trouve, c'est que c'est un vrai aussi parcours de chanteuse populaire avec des hauts et des bas. On l'a vu, il y a eu des succès fracassants, il y a eu aussi une période où on a moins entendu. C'est une histoire intéressante aussi à ce titre-là. Moi, je suis une artiste assez secrète. C'est d'ailleurs bizarre que je sois sur votre plateau maintenant, mais j'ai toujours tenu secret ma vie privée, ma vie professionnelle, familiale. En réalité, je suis partie. Sans faire les choux gras de la presse People, parce que j'étais enceinte, très simplement, et que je ne voulais pas montrer ça aux gens. Et vous avez passé quelques années à vous occuper de Manon. Je me suis occupée de Manon, et là, je la trouve tellement belle. Je vais vous laisser reprendre votre émotion. Merci beaucoup. J'aimerais bien connaître votre impression, votre regard justement sur une chanteuse populaire. Elle a tout ce qu'il faut pour ça, elle a le tempérament, le charisme, la musicalité, le lyrisme. Et je dois reconnaître que je la découvre, je découvre son itinéraire grâce au récit de son père. Et voilà, je me dis qu'il était temps que je vous connaisse mieux. Merci beaucoup. Il y a trois personnes qui voudraient venir montrer un petit peu, effectivement, votre parcours de un peu farouche, un peu rebelle. Votre papa Xavier, Denise, votre maman et Jean, votre frère, sont avec nous sur ce plateau. L'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Et sans lui nous parler de Julie Pierpi. Bonsoir. Alors, je vous présente Denise, Xavier et Jean. Installez-vous, dites-moi, j'ai l'impression que vous avez été un père sacrément sévère quand même, hein, pour dire les choses concrètement, hein, franchement. Oui, très 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 sévère, je le reconnais. Le micro un peu plus près de la bouche. Oui, je dirais même que je m'en énorgueillis parce que les résultats ne sont pas mauvais. Oh, vous pensez que c'est grâce à ça? Je rêve. Peut-être que j'ai souffert sur le moment dans mon adolescence de ce manque de liberté, mais je trouve que papa m'a donné des structures assez forte pour supporter beaucoup d'épreuves dans ma vie. Je crois que On va résumer. En gros aussi, peut-être une anecdote, c'était ma fille, si tu veux chanter, je te coupe les vivres. Hein. Et puis vous l'avez forcé. Ça, vous savez, vous êtes bien renseigné. Vous l'avez forcé aussi à continuer ses études. On peut dire que vous avez un diplôme quand même avec tout ça. Un diplôme. Je suis orthophoniste. Je suis diplômée. J'ai un certificat d'orthophoniste. Denise, qu'est-ce que vous pensez de sa carrière et de son retour gagnant dont on a vu quelques extraits? J'en suis extrêmement fière, mais j'ose pas trop montrer. Ce que je ressens, mais intérieurement, oui. Est-ce que le fait qu'elle ait choisi de chanter, ça vous a toujours un peu fait peur, l'un comme l'autre? Vous avez eu peur de ce métier? Oui, parce que c'est un métier, en général, assez aléatoire. On ne sait pas où on va. Et Jean, quel est le rôle que vous avez joué? Vous étiez le frère protecteur ou est-ce que vous étiez le complice? Vous aussi, vous avez été le confident. Quel rôle vous avez joué? C'est vous qui lui avez donné le goût de la musique, paraît-il, non? C'est vous qui l'avez entraîné sur ce mauvais chemin? Oui, il paraît. Oui, c'est vrai. C'est lui qui m'a envoyé, qui m'a amené aux grandes dames de papa. Mais enfin, comme il était le frère aîné, donc il m'a amené voir des concerts absolument géniaux. Je le remercie parce que j'ai rencontré toutes sortes de musiques grâce à mon frère qui m'a emmené et qui disait à papa, t'inquiète pas, c'est pas grave, je la surveille. Il me surveillait pas vraiment. Et c'est même pire que ça, en plus, parce qu'en fait, je l'utilisais même quelquefois, parce que je disais pas forcément que c'était ma sœur. Ah. Et puis mes copains, quand je présentais Julie, mes copains disaient « Waouh !» Elle avait déjà du succès, non? Les grands yeux bleus, elle avait déjà du succès adolescente.
Jean, justement, est-ce que cette complicité qu'on voit, qui a l'air évidente comme ça entre vous deux, est-ce que ça vous a servi peut-être justement, est-ce que vous étiez un peu son soutien moral, peut-être dans les années 90 où elle vendait moins de 10? Comment elle a surmonté justement cette période plus creuse, on va dire? C'est peut-être justement à cette époque-là qu'on s'est vraiment rapprochés, parce que toute l'époque où elle a eu du succès, on se voyait moins. Et même moi, j'étais soit à l'étranger, soit de l'autre côté de la France. Dans la musique aussi? Non, pas du tout. Je suis consultant en entreprise. Ouais. Donc voilà, j'ai affaire au comité de direction, au manager que je forme, que je... Voilà. D'accord. C'est sérieux, c'est ce par rapport à moi. C'est très sérieux. Ah oui, non, mais c'est dans toutes les familles. Hein, ouais. je rigole bien quand même. Et donc vous disiez que dans les années 90, vous avez joué effectivement le rôle de confident. On s'est beaucoup rapprochés à ce moment-là. Et on travaille un peu sur les mêmes choses. On fait un travail personnel aussi chacun. On est attirés par les mêmes choses aussi tous les deux. On est très attirés par la psychanalyse. Voilà, on a beaucoup aimé travailler sur... Quand vous dites un travail personnel, c'est que vous êtes passé l'un comme l'autre par la psychanalyse. Oui, ça vous a aidé pour quelle raison? C'est par rapport au passé que j'évoquais, peut-être ce passé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. La guerre d'Algérie, vous êtes né en plein dedans, ça vous a marqué. Notamment, oui. Tous les deux, on a été très frappés par ce qu'on a vu et qu'on n'aurait peut-être pas dû voir. Moi, j'ai vécu mes 5 premières années au milieu des bruits de bombes. Toute la nuit, je me souviens très bien que maman me sortait de mon lit, papa, pour qu'on aille se réfugier à la maison au-dessus, qui risquait moins d'être attaquée, dit maman. Nous enjambions malheureusement des morts. Nous avons vu des morts par terre, des cadavres. Ce sont des choses qui sont restées, même très petites. C'est quelque chose d'insoutenable pour moi. En tout cas, merci de nous livrer comme ça une part de votre histoire, qui est aussi une part de l'histoire de beaucoup de gens, malheureusement. Et... Oui, mais avec aussi beaucoup de bonheur. Nous avions des voisins charmants, qui étaient arabes et musulmans. Et je crois qu'il est des guerres que nous ne voulons ni les uns ni les autres, et surtout pas celle-là. Parce que voilà, on était frères. En tout cas, c'est une phrase de fin qui plaira sans doute à Georges Moustaki. Merci à tous les trois. Merci d'être venus nous parler de votre Julie, de celle que vous connaissez. On poursuivra demain. Georges Moustaki, je voudrais vraiment vous souhaiter bonne chance, parce que je sais que là, il y a une série de concerts qui arrivent, qui sont très importants pour vous. Le petit journal de Montparnasse ce soir et demain. Des concerts dans toute la France. Merci beaucoup, merci infiniment. Tout de suite, la question du jour. Et on continue demain avec Julie Perry. Bonne soirée sur France 3. Ce soir, avez-vous retenu le nom du comédien qui nie avoir le même âge que Georges Moustaki? Pour jouer, appelez-nous au 08 97 66 33 33. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un lecteur DVD au son Dolby Digital. Il est compatible MPEG et MP3. Il est doté d'une fonction verrouillage parental et il vous est offert par les magasins JTEM. Hier, nous avons appris que Georges Moustaki affectionne particulièrement l'île Saint-Louis. Bravo à notre téléspectateur gagnant et à Lise Mafoula, notre gagnante en plateau. Bonne chance et à demain.